abondamment, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que Jésus soit notre partage. Amen. Parce que Jésus est notre Seigneur. Amen. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il nous assure la vie, il nous assure la grâce divine. Que la paix de Jésus soit avec vous. Que la bonté de l'Éternel vous amène à la gloire. Que Jésus vous ouvre les portes et que vous soyez en paix. Que la grâce de Dieu soit en vous et qu'il habite dans ta maison. Que Dieu t'accorde faveur ce matin. Que Dieu renverse tous ceux qui s'opposent à toi. Que Dieu les détruise dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous prêts maintenant ce matin pour dire merci à Dieu parce que lui, il nous a manifesté l'amour. Il nous a manifesté sa bonté. Il nous a manifesté sa grâce. Il nous a manifesté sa faveur. Il t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas une chose facile d'être debout ce matin. C'est parce que Dieu l'a voulu. Alors nous allons lui dire merci parce qu'il nous donne le pain, il nous donne un lit, il nous donne les moyens de vivre, il nous donne le travail, il nous donne les enfants, il nous donne le mariage. Nous allons être reconnaissants envers lui. Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous Yahweh. Nous te disons merci ce matin parce que tu es grand, parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant. Sois élevé le Seigneur de gloire, sois élevé le Saint des Saints, sois élevé le Rocher, sois élevé la manne cachée, sois élevé le Saint d'Israël. Je te dis merci, merci mon Dieu, merci mon Roi, merci le Dieu d'éternité en éternité, merci le Rocher de tous les âges, merci Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de ma vie, tu es le Seigneur de gloire, tu es la bonté divine, tu es la prospérité de ma vie, tu es la grandeur de ma vie, tu es l'Éternel, tu es le Rocher. Sois béni, le Roi de gloire, sois béni, le Saint des Saints, sois béni, l'Éternel, le Dieu d'éternité, le Dieu de toute puissance. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta grandeur, je bénis ta puissance, je bénis ta grâce, je viens te bénir ce matin, Yahweh, je proclame Yahweh, ta grandeur et ta richesse, papa, sois béni mon Dieu, sois béni mon Roi, sois béni le Dieu d'éternité, sois béni le Rocher de tous les âges, sois béni le Seigneur des Seigneurs, sois béni le Roi des Gloires. Sois béni, celui qui dit et où la chose arrive, celui qui donne existence à ce qui n'existe pas, celui qui combat pour nous. Je viens te bénir, parce que tu opères des miracles dans ma vie. Papa, je bénis ton sainteté, je bénis ta grandeur, je bénis ta puissance, je bénis ta bonté, je bénis ton élévation, je bénis ta gloire, je bénis Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Je viens te bénir en ces jours de jeûne et prière. Yahweh, nous sommes dans les 21 jours, papa. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'élever, Yahweh? Dans ces 21 jours, papa, Yahweh, nous sommes avec toi, Yahweh, parce que Seigneur, toi, tu nous as jamais lâchés, tu nous as jamais laissé tomber, tu nous laisses jamais, Yahweh. Papa, sois béni, mon Dieu, sois béni, mon Roi, sois béni, le Dieu de bonté, le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu d'élévation, le Dieu de puissance, le Dieu de libération, les dieux de magnificence, Yahweh, je te bénis, mon Roi, je te bénis mon Dieu, je te bénis les saints d'Israël, les rochers, la manne cachée, l'étoile du matin. Sois élevé, le Seigneur de gloire, le Saint des Saints, la sainteté, la puissance divine, Yahweh,
tu es saint, tu es le Seigneur, tu es le rocher, tu es la manne cachée, tu es l'étoile du matin, à toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, Yahweh, Yahweh, manifeste-toi, 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 à toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, Yahweh, tu es Dieu, Yahweh, tu es saint, Yahweh, tu es Seigneur, Papa, je bénis ta seigneurie, je bénis ta bonté, je bénis ta grandeur, je bénis ta puissance, je viens te bénir ce matin, je viens te rendre les multiples actions de grâce, Yahweh, sois élevé, Elohim, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es le rocher, tu es la manne cachée, tu es l'étoile du matin, à toi la grandeur, à toi la gloire, à toi la puissance, sois élevé, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es l'autorité de ma vie, tu es le rocher de ma vie. Tu es la puissance de ma vie. Papa, Yahweh, tu me conduis dans ta grâce, Papa. Tu me conduis, Papa, pour vivre la paix, pour vivre l'amour, pour vivre la grandeur, pour vivre la puissance. Yahweh, Yahweh, Messie, je te reconnais que tu es Seigneur. Je te reconnais que tu es puissant. Je te reconnais que tu es le Dieu de gloire. Je te reconnais. Que tu es le Dieu de l'élévation. Papa, je te dis merci. Merci Yahweh. Merci mon Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur. Merci le Rocher des âges. Yahweh, tu accomplis, Seigneur, des choses étonnantes, Papa. Tu accomplis des merveilles dans ma vie. Tu accomplis, Seigneur, des choses qui m'étonnent, Papa. Yahweh, nous te sommes reconnaissants. Yahweh, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, le Saint des Saints, sois élevé, le rocher des âges. Yahweh, tu nous accompagnes partout. Tu as fait de nous, Seigneur. Yahweh, Papa, tu nous as manifesté la grandeur et la puissance. Yahweh, oh, Yesu Massia, à toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance. Papa, je viens te bénir ce matin, le premier jour de notre jeûne. Yahweh, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ta grâce, Yahweh, tu nous as bénis, Papa, tu nous as manifesté la gloire, Papa, tu nous as manifesté la bonté, je te dis merci, je te dis merci, le Dieu des miracles, le Dieu de grandeur, le Dieu de puissance, Yahweh, Papa, sois béni, Yahweh, Yahweh, merci, merci le Dieu d'éternité, merci le Dieu de grandeur et de puissance, Yahweh, tu es élevé au niveau le plus haut. Yahweh, sois béni, Yahweh. Sois béni, mon Seigneur. Sois béni, mon roi. Sois béni, le Saint d'Israël. Yahweh, salabika mon kolo. Salabika mon mokozi. Salabika mon longa nangai. Salabika mon zamba victoire. Salabika mon zamba na solo. Salabika mon zamba changement. Salabika mon zamba na nguya. Salabika Mwelonga Namasanto, Yeso, tu es Dieu, tu es Dieu, tu m'as sorti de la pauvreté, Yahweh, tu m'as fait entrer le Seigneur dans ta gloire, Papa, tu es Dieu, tu es Seigneur, oh Yeso, viens Seigneur à notre secours, viens Seigneur, Yahweh, manifester la grâce divine, Papa, merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci la richesse. Chesse de ma vie, Yahweh. Oh, Kolona Miyano, yo futa kabaoba yake panayo, oh futa kabaoba lukaka yo, Nzambe, tu fais des choses incroyables pour tes enfants, tu fais des miracles pour tes enfants, Yahweh, Papa, comment me tairai-je, Seigneur, car je vois la main du Très-Haut, la main de la joie, la main de gloire, la main de puissance, la main de liberté, la main de miracles, Yahweh, quand je vois
vois cette main. Papa, je ne suis pas mété. Yahweh, tu es le Saint d'Israël. Tu es le rocher. Tu es la manne cachée. Yahweh, je te suis reconnaissant. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, le Saint des Saints. Fais-moi grâce, le Dieu de liberté. Fais-moi grâce, le Dieu de paix. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Yahweh, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu invisible, Papa. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui marche avec nous. Yahweh, c'est toi, Papa. Papa, tu nous accompagnes toujours, Yahweh. Tu fais que nous puissions vivre la gloire, la grandeur de ton Saint nom. Papa, je te bénis. Papa, je te bénis. Papa, je te bénis. Je te bénis, Papa. Ce matin, je viens élever le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous bénir encore ce matin par sa conduite du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit nous dirige. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lui demander au nom de Jésus que le Saint-Esprit nous dirige ce matin. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que la main de Dieu nous amène à prier selon nos besoins. Amen. Que le Saint-Esprit nous amène à se rappeler de ce que nous avons besoin. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens implorer la présence de l'Éternel maintenant. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, établis, Seigneur, ton amour ce matin, Papa. Yahweh, tu avais dit, tu ne nous laisseras pas orphelins, tu nous enverras, Seigneur, le consolateur. Yahweh, maintenant, je veux que le consolateur vienne pour nous consoler ce matin, vienne pour nous. Nous amener ce matin, Yahweh, la réalité de nos vies, Papa, que le Saint-Esprit soit au contrôle, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit amène la paix, amène la grâce, amène la bonté. Yahweh, étends ta main, Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, étends ta main, Seigneur, étends ta main, mon Dieu, étends ta main, le roi des rois, Yahweh, étends ta main, Papa, que nous soyons remplis, remplis-nous, Seigneur, Yahweh, de ta présence encore davantage, Yahweh, que nous soyons inondés de ton onction, inonde-nous, Seigneur, que ton onction déborde sur nous. Papa, Yahweh, que nous puissions parler de toi, que nous puissions glorifier ton nom à travers cette prière, que nous puissions t'adorer. Yahweh, conduis-nous, Seigneur, dirige-nous, Yahweh, gouverne-nous, Yahweh, nous te laissons la place, Seigneur, Yahweh, que tu diriges ce moment de requête et de prière, Yahweh, que tu diriges, Yahweh, manifeste-toi, Seigneur, Yahweh, Papa, nous bénissons ta présence, Yahweh, Papa, manifeste-toi, que nous voyons des choses que l'homme ne peut pas voir, que nous soyons capables d'entendre, Seigneur, ce que l'homme ne peut pas entendre, Yahweh. Oh, Yesu, rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible à toi, Papa, Yahweh, quand tu fais des choses et tu réalises, Yahweh. Oh, Yesu, Massia, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ta grandeur, je bénis ta puissance, Yahweh, tu es capable de faire ce qui est impossible, Yahweh, tu peux le réaliser, Seigneur, à tout moment, Papa, étends ta main, la main de l'Éternel, la main de la puissance, la main de gloire, la main de liberté, la main de paix, Yahweh, étends ta main, Seigneur, que ta main nous libère, que ta main nous amène, la grâce divine, Yahweh, viens renverser, Seigneur, ce que le ténèbre avait manifesté, Yahweh, que cela soit renversé, Papa, par
la présence du Saint-Esprit. Yahweh, tends ta main, Seigneur, et tends ta main sur chacun de nous. Yahweh, que nous puissions, Seigneur, manifester la gloire de ton nom à travers ta présence, Yahweh. Viens ranimer, Seigneur, ranime le feu, ranime le feu, ranime le feu, Yahweh, là où le feu avait perdu son intensité, Yahweh, que tu ranimes le feu, Yahweh, amène le feu, Yahweh, viens ranimer le feu, Papa, toi qui es notre direction, ranime le feu, Yahweh, que la grâce et la gloire de l'Éternel se manifestent maintenant, viens ranimer le feu, Yahweh, ranime le feu, ranime le feu, ranime le feu, les saints d'Israël, les dieux de grâce, les dieux de gloire, les dieux de liberté, les dieux de puissance. Yahweh, viens ranimer le feu, ranime le feu, que le feu, que le feu soit ranimé. Manifeste-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ranime le feu, que le feu du Saint-Esprit soit ranimé maintenant. Yahweh, que nous soyons renouvelés de ta puissance, Seigneur. Yahweh, Yahweh, revêtis-nous, Seigneur, de ta puissance, Papa. Manifeste-toi, les saints d'Israël, les dieux de grâce, les dieux de gloire. Yahweh, ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu puisses manifester une chose nouvelle dans nos vies, Papa. Yahweh, oh Yeso, que l'intensité du feu que tu avais mis en nous, Seigneur, Yahweh, soit ranimé encore. Papa, rajoute, Seigneur, Papa, manifeste-toi, que nous puissions recevoir une onction fraîche, Yahweh, une onction nouvelle, Papa, que nous puissions glorifier ton nom à travers la puissance que tu vas mettre, Seigneur. N'est-ce pas, Seigneur, tu avais dit de ne rien faire jusqu'à ce qu'on recevra la puissance. Yahweh, manifeste-toi maintenant. Yahweh, amène, Seigneur, amène une grâce nouvelle, Yahweh. Oh, Yeso, investis à nous, Seigneur. Tout est ta puissance, Papa. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, les saints d'Israël. Yahweh, c'est toi qui exerces ton autorité sur nous. Exerce cela, Seigneur. Yahweh, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Les dieux d'Israël, les dieux de sainteté, les dieux de puissance et d'élévation. Yahweh, que ta gloire et ta grâce se manifestent maintenant. Fais-nous voir cette gloire, Yahweh, Yahweh, éternel, le Dieu, ma bannière, ma solution, Yahweh, tu es l'accomplissement de ma vie, Papa, élargis mes limites, Yahweh, élargis mes limites, Seigneur, Yahweh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es saint, tu es puissant, à toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, Yahweh, étends ta main, le Seigneur de gloire, Yeso, Papa, tu fais nous du bien, Papa. Oh, Yeso Massia, Yeso Massia, Yeso Massia. Oh, Yahweh, Papa, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Yeso, Yahweh, viens changer mon histoire, viens changer l'histoire de ma vie, viens changer l'histoire de ma maison, viens changer l'histoire de mon foyer. Papa, il n'y a rien, Papa, qui peut nous empêcher à vivre la gloire, à vivre la grandeur. Change mon histoire, amène un vent nouveau, amène un souffle nouveau, Yahweh, Papa. Oh, éternel Elohim est mon Dieu, Elohim est mon roi, Elohim est mon Seigneur, Elohim est le Tout-Puissant. Hey, Yesu Massia, tu es le Saint des Saints, tu es le rocher, tu es la manne cachée. Amen, Seigneur, Yahweh, un vent nouveau, Seigneur, un vent nouveau, Yahweh, amène-le dans ma vie, amène-le dans ma maison, Yahweh, n'est-ce pas toi qui es Dieu, n'est-ce pas toi qui es saint, n'est-ce pas toi qui es puissant, Yahweh, ne laisse pas les ténèbres dominer, Papa, fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Que le Dieu Saint, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre,
puisse vous bénir ce matin. Amen. Que Dieu change ton langage ce matin. Amen. Que Dieu amène un vent nouveau ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au premier jour de notre prière. Alléluia. Le thème est ceci. Délivre-nous du malin. Amen. Nous ne voulons pas vivre sous le joug du méchant, mais nous voulons vivre la paix, la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore davantage. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse encore du bien. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. On va prier, on va chercher la face de Dieu. La Bible nous dit ceci. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je rencontrerai les œuvres du Seigneur ici. Il dit, je vivrai pour annoncer les œuvres du Seigneur. Parce que c'est la version française courante. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons annuler maintenant. Amen. Toute mauvaise prophétie de mort sur ta vie et sur ta famille. Amen. Non, toi, tu n'es pas là pour qu'on te dise aujourd'hui, je vois un cas de mort. Il faut beaucoup prier. Je vois un cas de mort. Ça va frapper la famille. Non, nous sommes à 21 jours. Nous voulons profiter de ce service pour prier. Pas pour que j'arrête ma prière ou parce que j'ai eu un cas de mort dans la famille. Non! Maintenant, tu as le temps d'aller annuler maintenant toute mauvaise parole de la mort. Toute mauvaise parole de la mort. Tu vas l'annuler maintenant dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, comme il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je me lève maintenant, je vais annuler toutes les paroles négatives et mauvaises de la mort prononcées contre moi. Prononcé contre ma famille, Yahweh, je détruis la puissance de cette prophétie, la puissance de cette parole. Je viens l'anéantir, je viens l'annuler. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Yahweh, je détruis cette parole. Je viens détruire la puissance de cette parole dans le nom de Jésus, 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 je détruis la puissance de toutes les paroles maléfiques de Yahweh, proclamant la mort dans la famille. Je viens annuler la puissance de cette parole. Cette parole n'aura pas lieu. Cette parole ne se fera pas. Je l'ai détruit, je l'anéantis. Au nom de Jésus, j'invoque le feu. Que le feu consume maintenant toutes les paroles qui est en l'air, toutes les prophéties qui est en l'air. Yahweh qu'on a proclamé, on a dit Seigneur, on voit un cas de mort, on voit un cas de paix. Yahweh, je vais admirer la puissance de cette parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'admire la puissance de cette parole maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout pouvoir maléfique et démoniaque, Yahweh qui est derrière cette parole mensongère, cette parole démoniaque, Yahweh, je l'annule, Yahweh, cela n'aura pas lieu, cela ne se réalisera pas, Yahweh, je viens briser,
le pouvoir de cette parole dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je ne laisserai pas les magiciens dominer. Je ne laisserai pas les ténèbres dominer. Que les ténèbres soient anéanties. Le pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la magie, le pouvoir de la sorcellerie qui veut Seigneur ranimer la mort dans ma vie, soit annulé maintenant, soit détruit maintenant. Je viens le détruire, je viens le détruire, je viens le détruire, je viens le détruire, je viens détruire, je viens détruire le pouvoir de la mort, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir des manques. Je le détruis, je le détruis. J'invoque le feu. Feu, 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 que le feu, que le feu, que le feu détruise maintenant le pouvoir de ces choses, Yahweh, qui se lève contre nous, qui se lève contre ma maison. Je viens anéantir, je viens anéantir le pouvoir de la mort, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de la magie. Je détruis la force de ce pouvoir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens anéantir, j'anéantis tout pouvoir démoniaque et satanique dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, 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 le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. Yahweh, j'ai bien invoqué, j'ai bien invoqué le feu, j'ai bien invoqué le feu, j'ai bien invoqué le feu, que le feu anéantisse la gloire des ténèbres, la puissance des ténèbres, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je détruis tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est sorcellerie, je le détruis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens détruire, je viens détruire la puissance satanique, la puissance démoniaque, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, je viens briser toute grâce satanique dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens détruire, je viens détruire, je viens détruire, je viens détruire la puissance de la mort, la puissance de la magie, la puissance de la sorcellerie. Je viens les détruire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens me libérer, je viens me dégager de toute puissance de la mort dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh bien-aimés, soyez concentrés, soyez bénis. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Il est écrit ceci. Je vais vous lire dans le livre de Jean, 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Amen. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas détruire toute prophétie d'échec sur ta vie. Tu vas les briser aujourd'hui au nom de Jésus. Comme l'Écriture l'a dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Et l'Écriture dit quelque part aussi, nous sommes des signes et des prodiges. Hein? Et des présages. Hein, bien-aimé, nous sommes des signes et des présages. Amen. Vous vous rappelez encore. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre l'échec. Amen. Tu ne peux pas vivre la destruction des ténèbres. Nous allons refuser l'échec. Amen. Amen. Je ne sais pas qui a prophétisé l'échec dans ta vie. Je ne sais pas qui a dit que toi tu vas échouer.
Mais Dieu a dit que tu réussiras. C'est ainsi que nous allons nous lever dans la prière. Détruire tout échec imposé par les ténèbres. Alléluia. Amen. Le malin, lui, l'amène l'échec. Qu'est-ce qu'il a fait pour la vie de Job? Nous allons parler de Job ce soir. Ce soir, il y a un grand rendez-vous. Amen. Ce soir à 19h, ne fuis pas. Ce soir à 19h, heure de Montréal. 19h, heure d'Haïti. Alléluia. En Europe, on sera vers 1h du matin. Et à Kinshasa, ça sera minuit. Amen. Ça, c'est notre grand rendez-vous. Le minuit ne dort pas. Attends-nous. Toi qui es à Kinshasa, toi qui es en Europe, à 1h du matin, réveille-toi. C'est la veillée que nous allons faire avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Amen. Nous sommes des signes et des présages. Amen. C'est dans le livre d'Ésaïe 8. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons refuser tout échec. Nous allons annuler l'échec par le feu de l'Éternel. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens annuler tout échec imposé par les ténèbres, imposé par les malheurs. Je viens annuler l'échec, j'annule l'échec. Yahweh, je viens annuler tout échec, Yahweh, que les ténèbres tentent de m'imposer. Les ténèbres m'imposent l'échec. Les ténèbres veulent m'imposer, Yahweh, de disparaître, papa. Je viens annuler, j'annule maintenant. J'annule maintenant tout échec imposé par les ténèbres. Je viens l'annuler. Je viens l'annuler, Yahweh. Je viens le détruire. Je viens le détruire. Je viens le détruire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens invoquer le feu. Le feu de l'Éternel, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu soit maintenant. Yahweh, qu'il manifeste maintenant sa puissance, Yahweh, et qu'il consume, Yahweh, la présence du malin. Délivre-moi, Seigneur, du malin, Yahweh, qui veut détruire ma vie, qui veut détruire ma paix, qui veut détruire ma maison en amenant l'échec, Yahweh. J'ai besoin de toi, Yahweh, j'ai besoin de toi. Yahweh, viens me délivrer, viens me libérer, délivre. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi du malin, délivre-moi, Seigneur. Yahweh, ne laisse pas que le diable, Yahweh, vienne frapper ma maison. Délivre-moi, Yahweh. Délivre-moi du malin, délivre-moi du malin, délivre-moi du malin. Yahweh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens me délivrer, viens me libérer, viens me libérer, viens me libérer. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi du malheur. Ne laisse pas le ténèbre me frapper encore, Yahweh. J'ai besoin de toi. Le Saint des Saints, étends ta main. Étends ta main. Jésus, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de liberté. Tu es le Dieu de paix. Yahweh, je veux la délivrance. Je veux la délivrance. Viens me libérer. Viens me libérer. Délivre-moi. Délivre-moi. Moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi du malheur, délivre-moi du malheur, viens me libérer, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Yahweh, libère ma vie, Yahweh, viens m'accorder la paix, viens m'accorder la vie, papa, libère, ne laisse pas le ténèbre dominer sur moi, ne laisse pas le ténèbre me ridiculiser, Seigneur. Yahweh, viens me délivrer. Délivre-moi, mon Dieu. Délivre-moi, mon roi. Délivre-moi, le Dieu d'éternité en éternité. Délivre-moi, le Seigneur de gloire. Délivre-moi, le Dieu saint. Délivre-moi, le Dieu puissant. Yahweh, j'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de la liberté. J'ai besoin de la paix. J'ai besoin de la joie. Délivre-moi.
délivre-moi, éternel est mon Seigneur, éternel est ma bannière, viens me délivrer maintenant, viens me libérer maintenant, délivre-moi Seigneur, délivre-moi mon Dieu, délivre-moi mon roi, Yahweh accomplis ta présence, accomplis ta présence, accomplis ton amour, Yahweh fais-moi grâce, Yahweh fais-moi grâce, Yahweh fais-moi grâce, fais-moi grâce Seigneur, fais-moi grâce le roi de gloire, Yahweh j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, accompagne-moi dans la délivrance, Yahweh. Accompagne-moi, Seigneur. Délivre-moi, délivre-moi. Le Saint d'Israël, le Dieu de grâce, le Dieu de grandeur, le Dieu puissant. Yahweh, je veux que tu me délivres, Seigneur. Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, Yeso, viens me délivrer. La Bélélisa Bélangaï, la Bélélisa Bélangouya, la Bélélisa Bélankev, délivre-moi, Yahweh, délivre-moi mon Seigneur, délivre-moi mon Dieu, délivre-moi le Seigneur de gloire, Yahweh, je veux la délivrance, Seigneur, enlève-moi la condamnation, Papa, délivre-moi de tout échec, de toute défaite, Yahweh, je ne peux pas vivre la défaite, Yahweh, je viens demander que tu me délivres, délivre-moi mon Seigneur, délivre-moi le Saint d'Israël, Yahweh, accorde-moi la délivrance. Accorde-moi la délivrance. Accorde-moi la délivrance. Yahweh, fais quelque chose. Fais quelque chose. Yahweh. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Elohim est mon Dieu. Elohim est mon Seigneur. Elohim est le roi de gloire. Yahweh, viens me délivrer. Viens me procurer la paix, la grâce. Yahweh, délivre-moi. Les saints d'Israël, Yahweh, porte-moi la délivrance, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, il est écrit dans Ésaïe 53, verset 4, il est écrit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas annuler maintenant toute maladie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tu ne peux pas dire toujours que tu es en santé. Les médecins là sont bizarres. Quand tu vas les voir aujourd'hui, ils te conseillent, ils te disent, ah, je vois ceci, je vois ceci. C'est pourquoi il faut toujours prier. Amen. Amen. Il faut toujours prier, chasser la maladie. Ne dis pas, oh, j'ai ri. Non, non, chasse la maladie. Nous allons annuler toute présence de la maladie. Que ce soit la prophétie qu'on avait dit, nous allons annuler cette prophétie. Toute présence de la maladie sur ma vie, sur ma famille, nous allons l'annuler. Toute forme d'infirmité ou maladie soit nulle dans ta vie. Amen. 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 Qu'il soit comment? Nul. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Nous allons annuler toute forme de maladie, toute infirmité. Bien aimé, les ténèbres ne peuvent pas t'imposer la maladie. Les ténèbres ne peuvent pas t'imposer l'infirmité. C'est pourquoi nous voulons que nous soyons délivrés du malin. Délivre-nous du malin. Alléluia. Alléluia. Amen. Lui, il amène toujours quoi? La maladie. Il ne peut pas te laisser tranquille. Amen. Il amène toujours l'infirmité. On doit nous délivrer de cet homme. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens, Yahweh, je viens invoquer le feu contre toute maladie. Toi, maladie, quitte ma vie, quitte mon corps, toute infirmité qui se pose dans ma vie. Yahweh, je déclare maintenant de quitter, de partir. Yahweh, délivre-moi de toute infirmité.
Délivre-moi, Yahweh. Viens me délivrer. Viens me délivrer de toute infirmité qui se pose sur moi. Délivre-moi de la maladie. Délivre-moi, Seigneur. Je ne veux pas vivre, Yahweh, dans ces conditions. Yahweh, que la maladie disparaisse de ma vie. Dans le nom de Jésus, 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 Yahweh, Yahweh, viens me libérer, viens me libérer, viens me libérer de toutes sortes de maladies. Yahweh, libère ma vie, libère ma vie, que je sois libéré du coronavirus, que je sois libéré, Yahweh, de la maladie. Yahweh, Yahweh, manifeste-toi. Libère-moi, libère ma vie de toute infirmité, de toute maladie héréditaire. Yahweh, viens me libérer de toute maladie héréditaire. Yahweh, je ne porterai pas sur moi. Délivre-moi, délivre-moi, libère-moi, libère-moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'invoque le feu. Détruise maintenant la puissance de la maladie, la puissance de la mort, la puissance de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu, je viens invoquer le feu, je viens invoquer le feu. Toute présence de maladies, d'infirmité, je les détruis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je détruis la puissance de la maladie. Dans le nom de Jésus, j'invoque le feu, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu brille maintenant. Toute puissance des infirmités, de la maladie qui se conçoit dans ma vie, soit neutralisée par la puissance du feu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens détruire, je viens détruire, je viens détruire la puissance de la maladie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, délivre-moi, Seigneur. Yahweh, libère, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie de toute maladie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, enlève-moi la souffrance de la mort, la souffrance de la mort, de m'enlever cela. Dans le nom de Jésus, amen. Il est Dieu, il est Seigneur. Une heure dans sa présence, je vaincrai certainement. Bien-aimés, nous avons des témoignages de nos prières. Amen. Ces prières font effet. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi bâtir la foi. Tu ne seras pas déçu. Amen. Je te l'ai dit, tu ne seras pas déçu. Il te reste seulement quelques jours pour que tu commences déjà à dire que, en tout cas, prier, c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi qui nous réjouis seulement aujourd'hui, nous, on a commencé, ça fait longtemps. Et ça nous fait du bien, ces prières. C'est pourquoi nous aimons cela. Une heure dans sa présence, certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lier et paralyser l'homme fort. Amen. Alléluia. Nous allons le paralyser. Amen. Cet homme fort qui veut nous déshonorer, qui veut nous détruire, nous allons le paralyser au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je lis et je paralyse l'homme fort qui vient frapper dans ma maison, qui vient frapper dans ma vie. Yahweh, il est l'homme fort de la famille. Il est en train de nous détruire. Il est en train de nous contrôler. Aujourd'hui, je me lève, Yahweh. Je me lève ce matin. Je le lis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je vais le paralyser. Que le feu de
les ténèbres paralyse maintenant l'homme fort, qu'il soit paralysé par la puissance du feu, que le feu, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel paralyse maintenant l'homme fort, qu'il soit paralysé, qu'il soit neutralisé par la puissance du feu. Yahweh, j'invoque le feu. Que le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu anéantisse maintenant le pouvoir de ténèbres, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de la magie, le pouvoir satanique, le pouvoir démoniaque. Yahweh, qui soit anéanti, j'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu. Que le feu anéantisse maintenant le pouvoir des ténèbres, le pouvoir satanique, le pouvoir démoniaque. Yahweh soit anéanti par le feu. J'invoque le feu, j'invoque le feu, que le feu, que le feu paralyse maintenant le pouvoir de l'homme fort, que l'homme fort soit paralysé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens détruire toute sa puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis la puissance de l'homme fort. Je viens l'anéantir, je viens l'anéantir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, que le feu, que le feu détruise maintenant toute puissance des ténèbres dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu vas déclarer que tu sortiras victorieux sur tout procès, sur tout procès que les ténèbres sont en train d'engager contre toi. Amen. Toi, tu sortiras victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Déclare-les dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer que je sortirai victorieux à cause du feu de l'éternel, que le feu de l'éternel me fait sortir victorieux contre tout procès que les ténèbres entamées contre moi, contre mes enfants, contre ma femme. Je sortirai victorieux contre tout procès qu'on a engagé par les ténèbres, contre ma vie, contre ma prospérité. Yahweh, je sortirai victorieux, Yahweh. Je suis victorieux, Yahweh. Les ténèbres ne peuvent rien faire. Les ténèbres ne peuvent pas nuire à ma vie, à ma maison. Yahweh, car le feu de l'éternel, le feu de l'éternel est en train de se manifester, est en train de se manifester. Yahweh, quel que soit le procès, quel que soit le procès, Yahweh, tu m'accorderas justice, Yahweh. Je sortirai victorieux dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Yahweh, papa, je sortirai victorieux au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, je déclare que je serai victorieux dans toutes les choses. Yahweh, que les ténèbres viennent m'imposer, les ténèbres viennent m'imposer le chef, les ténèbres viennent m'imposer, Yahweh, à disparaître, Yahweh. Mais Yahweh, toi tu m'as dit, tu feras, Seigneur, des espoirs dans ma vie. C'est pourquoi je déclare, je serai victorieux contre tout procès, je sortirai victorieux dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car tu es le Dieu des possibilités. Tu es le Dieu de gloire et de grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, notre Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Notre Dieu est victorieux. Amen.
Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer que tous tes adversaires seront confus. Au nom de Jésus. Alléluia. Déclare-les. Proclame-les que tes adversaires soient confus. Alléluia. Que Dieu nous délivre de ses adversaires. Alléluia. Délivre-nous du malheur. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer la confusion totale dans le cas de mes adversaires. Mes adversaires ne domineront jamais sur moi. Ils ne domineront pas sur moi, ni mes ennemis, ni mes adversaires. C'est ainsi, je viens déclarer, Yahweh, je déclare qu'ils seront confus, qu'ils vivraient la confusion, que la confusion, Yahweh, entre dans le cas de mes adversaires. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils seront confus, Yahweh, car je suis appelé à vivre la gloire, à vivre la grandeur, à vivre la puissance. Yahweh, la victoire est à moi, Seigneur. Papa, je décrète la victoire dans ma vie maintenant. Que la confusion soit dans la vie de mes adversaires, qu'ils soient confus, qu'ils s'entretuent entre eux, qu'ils se détruisent entre eux, qu'ils ne se parlent plus, qu'ils se divisent, Yahweh, qu'ils vivent maintenant, Yahweh, la tour de Babel, Yahweh, qu'ils puissent avoir la confusion dans leur langage, Yahweh, qu'ils ne parlent plus la même chose. Qui ne voit plus la même chose, Yahweh, qu'il se structure, qu'il s'entretient, Yahweh, qu'il parle, Seigneur, seulement de démolition, Yahweh, qui ne laisse aucun respect, Yahweh, qu'il se détruise, qu'il se détruise, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens invoquer la confusion totale, dans le cas de mes ennemis, que mes ennemis s'entretuent, que mes ennemis se détruisent. Détruise, que mes ennemis, Yahweh, se démolissent entre eux. Yahweh, ne les laisse pas, Yahweh, survivre, papa. Qu'ils saillissent, Yahweh, qu'ils se détruisent, papa. Yahweh, détruis, Seigneur, les réunions, Yahweh, divise-les, Yahweh, qu'ils soient confus, qu'ils ne voient pas la même chose, Yahweh, papa, qu'ils saillissent maintenant, car, Seigneur, mes adversaires, voulez finir, Yahweh, empêche la paix, empêche la paix, empêche, Seigneur, qu'il parle le même langage, Yahweh, qu'il saillisse, Yahweh, qu'il se détruise, papa, qu'il se démolisse, Yahweh, manifeste ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque le feu, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, que la confusion entre maintenant dans le camp de nos ennemis, dans le nom de Jésus, qu'ils saillissent, Yahweh, qu'ils se détruisent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Délivre-nous du malin. Amen, 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 amen. Oh, Yesu, délivre-nous du malin. Bien-aimé, 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 nous allons prier. Amen. Maintenant, tu vas fermer toute porte, toutes les portes négatives qui peut être profitable à l'ennemi. Tu vas les fermer maintenant. Amen. Il ne te nuira plus. Il faut que les portes là soient fermées. Toutes les portes négatives. Et toi-même, tu sais dans ta vie. Même si nous disons délivre-nous du malheur, mais toi, ne donne pas l'occasion. Il y a trop de portes négatives dans ta vie. Est-ce que tu peux profiter pour cette occasion de délivre-nous du malheur, de fermer toutes ces portes? Alléluia. Amen. Ne donne pas à l'ennemi l'occasion de t'atteindre toi-même. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je peux te faire confiance que tu peux fermer ces portes négatives qui se trouvent dans ta vie? La méchanceté, c'est une porte négative. Alléluia. La médisance, c'est une porte négative.
la calomnie, mentir, dire des choses qui ne sont pas vraies, faire de cela comme si c'est vrai. Tu es en train de construire toute une histoire qui n'existe pas. Et il est dit. Quelqu'un a dit A, toi tu vas dire B et C et D. Qui n'a rien dit. Pourquoi tu veux mentir? Pourquoi tu veux calomnier? Surtout calomnier pour une église, calomnier pour un pasteur. Ça, c'est une grande porte ouverte. C'est une porte négative. Est-ce que tu peux la fermer aujourd'hui? Tout dépend que de toi. Ce 21 jours est venu pour ta liberté. Amen. Profite de ça. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens fermer toutes les portes négatives que j'ai ouvertes dans ma vie. Je viens la fermer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je ferme maintenant toutes les portes négatives. Je ne donnerai pas accès à l'ennemi. Que l'ennemi ne puisse pas avoir accès dans ma vie. J'invoque le feu. Que le feu de l'Éternel, que le feu de l'Éternel ferme maintenant toutes les portes négatives. Yahweh, que j'ai ouvert dans ma vie, je viens la fermer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je ferme maintenant toutes les portes négatives. Yahweh, ouvert dans ma vie. Yahweh, je la ferme. Je viens fermer, je viens fermer, je viens fermer. Et merci que toutes ces portes négatives, je viens les fermer. L'ennemi n'en profitera pas. Je ferme ces portes dans le nom de Jésus. 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 Je viens fermer. 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 Je viens fermer toutes portes négatives. Dans le nom de Jésus. 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 Je ferme ces portes, je ferme ces portes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens fermer, je viens fermer toutes portes négatives dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je ferme ces portes, je ferme ces portes. Yahweh, je ne laisserai pas les ténèbres en profiter, que les malins n'en profitent pas, que les malins n'en profitent pas. C'est pourquoi ce matin, je viens fermer. Fermez toutes ces portes et merci que ma Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je la ferme, Yahweh, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes en jeûne. Nous ne mangeons pas la viande, nous ne mangeons pas le poisson. Pendant 21 jours, même tu es à Kinshasa, même tu es en Haïti, même tu es en Europe, même tu es en Afrique, nous sommes en jeûne pendant 21 jours. 21 jours de service, 21 jours dans lesquels nous allons parler de délivre-moi du malin. Nous voulons être libérés. Alléluia. Nous voulons être libres, Seigneur, bien-aimés. Oh, bien-aimés, ce soir à 19h, un grand rendez-vous avec toi. 19h, heure de Montréal, 19h, heure d'Haïti, 1h, heure de l'aéroport, midi et minuit, heure de Kinshasa. Bien-aimés, préparez-vous. Vraiment, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, voilà, c'est le moment de t'abonner. C'est écrit en rouge, s'abonner, c'est gratuit. L'abonnement, il n'y a pas d'abonnement à payer. Et appuie seulement sur s'abonner. Et après, tu vas voir la petite cloche. Tu appuies sur la petite cloche. C'est pour te donner des notifications. Et tu peux le faire aussi autant sur Facebook. Tu t'abonnes et tu fais une notification. Bien aimé, n'oubliez pas de s'abonner. Abonne-toi et dis même à tes enfants de s'abonner. Alléluia. Va voir tes enfants. Abonne-toi. Je bénis ceux qui se sont abonnés hier. Que Dieu les bénisse abondamment. Et je demande à la jeunesse de faire un effort d'amener toute la jeunesse à s'abonner. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement de t'abonner sur Instagram. Parce que Instagram, nous l'utilisons de moins en moins. Mais abonne-toi sur YouTube pour avoir des notifications. Et je demande au président Jonathan et
à tous ses collaborateurs, les Bénicha, les mamans Fabienne et tout le monde, et Olivier et Jordan, de faire une propagande de bien-aimés Sabor. Alléluia. Il suffit pas seulement de dire, papa, on va les faire et vous ne faites rien. Ça, c'est Dieu n'aime pas cela. Ce n'est pas servir Dieu. Celui qui veut être sous la bénédiction de Dieu doit être au service. Et je demande aussi à vos parents d'être aussi dans le service de l'Éternel. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Alléluia. Servir Dieu, c'est dire à quelqu'un de s'abonner. Tu es en train de servir Dieu. Alléluia. C'est de dire à quelqu'un, nous avons retraite samedi à midi et à 10h, pardon, samedi 4 juillet, nous, et 3 juillet, nous avons retraite des mamans. C'est ça, servir Dieu. Rappelle toutes les mamans que nous avons retraite. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement modérer. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prophétiser. Servir Dieu, c'est d'annoncer aux gens de venir auprès de l'Éternel. C'est ça, servir Dieu. C'est d'adorer Dieu. Quand tu annonces à quelqu'un un événement pour le Seigneur, tu es tenté d'adorer Dieu. Tu es tenté d'élever Dieu. Mais toi, tu ne veux pas servir, mais tu veux être béni. Tu seras béni comme. Servir Dieu, c'est venir toi-même, toi qui invites les autres, là, de ne pas manquer samedi à 10h. C'est ça, servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui restent à la maison, mais après, quand tu lui demandes, tu étais où? On était parti voir quelqu'un, on était parti voir celui-ci. Mais tu as service à l'église, tu ne veux pas servir Dieu, mais tu veux être béni. Alléluia. Après, s'il arrive quelque chose à l'église, oh, comment cela arrive à l'église? Mais comment cela arrive à l'église, toi, tu ne sers pas Dieu? Ça arrive parce que toi, tu n'es pas au service. Si nous servons Dieu, Dieu va nous bénir. Amen. Il dit à Pharaon, laisse mon peuple s'en aller pour aller m'adorer dans le désert, pour aller me servir. Alléluia, dans le désert. Dans le désert, ils allaient prêcher où? Ils allaient faire la modération. C'était seulement... C'est faire les choses de Dieu. Amen. C'est ça, servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Venir à l'église, tu sers Dieu. Toi, tu ne veux pas venir à l'église, mais tu veux seulement aller dans des deuils. Tu veux seulement aller dans des fêtes. Tu veux seulement aller rendre les gens visite. C'est ça. C'est ce que toi, tu veux. Mais quand il s'agit de venir à l'église, tu vois le coronavirus. Mais quand tu vas visiter les gens dans les deuils, le coronavirus a disparu. Que Dieu vous bénisse. Faites attention de la manière dont vous bâtissez. C'est ce que Paul nous a dit. Comment mets-tu la pierre? Est-ce que tu le mets sur le bon fondement? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes un seul peuple. Que nous puissions bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Servons Dieu. Si tu sers Dieu, tu es sous sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse et bon. Une journée. Soyez bénis.